Les parties du corps, les verbes d'action. Le tempo. Reprenons la cellule rythmique numéro 3. Tempo lent. Tempo modéré. Tempo rapide. Introduction du silence. Vous pouvez remplacer une frappe par un silence. Rythme 3, nous allons remplacer la frappe qui se situe à la fin de la cellule par un silence. Au lieu d'avoir toum, ta, toum, toum, ta, nous allons avoir toum, ta, toum, toum, chut, toum, ta, toum, toum, chut. La structure. À partir des cellules rythmiques que vous avez apprises avec vos élèves, vous pouvez créer des structures, c'est-à-dire enchaîner plusieurs cellules rythmiques à la suite et ainsi créer de nouvelles phrases rythmiques. Un exemple, nous allons enchaîner le rythme 3 avec le rythme 4, placer une mesure avec 4 silences et enchaîner ensuite la cellule rythmique numéro 2. Toum, ta, toum, toum, ta, toum, ta, toum, ta, ta, chut, 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 toum. Nous allons travailler autour du principe d'accumulation. Nous allons donc superposer des rythmes. Nous allons prendre comme référence le rythme 1 sur lequel nous allons superposer le rythme 2, puis le rythme 3, puis le rythme 4, etc. Nous allons travailler donc autour du principe aussi de polyrythmie. Le canon.